Bonjour à tous, je suis le chef Thibaut, moniteur EPMS. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre pendant 24 heures en immersion complète. Allez, c'est parti! Ok, donc là il est 8h, j'ai récupéré ma section de semi-direct, donc ils vont partir sur un échauffement de cordes, après on va partir sur les tests inter-CMA, donc c'est-à-dire qu'ils vont monter deux cordes, ensuite ils vont partir sur 50 pompes, et ensuite on part sur la piste en tartan pour faire un 2400 mètres. Allez, c'est parti. Voilà, nickel. Toi, c'était tes tests? Ouais, c'était. Et toi, t'as quoi? J'ai une séance de piste d'audace. Donc là, il est 10h à ma montre, on va partir sur une séance de piste d'audace. Je fais percevoir le matériel et ensuite, je vous propose de me suivre. Quand on se donne sur la piste, comment le cœur, il monte rapidement. Le premier, il part dans une minute. Tout ce système est relié à un ordinateur. Donc là, on est en train de faire une formation sur le DAC System, tout ce qui est chronométrage. Donc là, ça va nous servir, nous, en interne, pour tout ce qui est avoir les résultats en temps réel quand on organise des cross-écoles, par exemple, ou voire même une course civile. Donc au moins, on est autonome là-dessus, inutile de faire appel à une structure civile. Donc déjà, les formations, pour nous, c'est très important parce qu'au moins, ça nous permet d'être autonomes. En fait, c'est une perpétuelle remise en question. On est toujours obligé de suivre des formations afin d'être au top niveau pour donner des cours concrets à nos élèves. Ok, pour suivre la journée, je vous propose de me suivre sur une séance de parcours d'obstacles. Allez, c'est parti. Petit mur. Voilà, la journée est terminée pour moi. Là, je vais faire une séance de fractionné sur la piste, histoire de m'entretenir en vue du marathon de La Rochelle. Allez, c'est parti. J'espère que cette immersion de 24 heures vous a plu, mais je dois vous laisser, j'ai plus de batterie.